petite intro avant la vidéo, j'ai un petit bug d'enregistrement, du coup vous avez pas le début, alors vous avez toute la draft, hein, vous inquiétez pas, mais vous avez pas le début où je fais mon intro, etc. etc. Et en plus ça tombe bien parce que d'un côté je me suis un peu fail, du coup voilà, pendant l'enregistrement, donc voilà, et de toute façon j'ai perdu cette partie de l'enregistrement. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo, d'ailleurs n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos comme ça, et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quel est votre tout premier jeu de catch. Bien sûr, me mentez pas, me dites pas ouais c'est Sminer versus Rodomy 6 alors que vous avez que allez que 7 ans. Voilà, ça serait con. Mais bref, dites-moi la vérité, dites-moi tout, et puis voilà, sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc si vous ne voyez pas d'intro, c'est normal. Bref, bonne vidéo. Ok, donc Ro, excusez-moi, donc voilà, donc j'avais fait une erreur en fait, c'est que ça te mettait des superstars directement en fait. Si tu fais pas la draft, ça te mettait des superstars directement. Donc c'est pour ça que voilà, je me suis retrouvé avec des superstars et tout. Mais bref, on s'en branle. Donc voilà, donc first draft select, machin, bon ça j'ai pas besoin de le lire, je sais ce qu'il faut faire, on s'en branle. Donc voilà, donc comme il précise bien, Raw as the Woman Champion, donc ça, le titre des Women est à Raw, et SmackDown the Cruiserweight Champion, voilà. Donc voilà, voilà. Alors, oula! Ok, donc c'est même pas nous qui choisissons en premier, donc ok, donc ECW ont pris Shawn Michaels, le CW ils ont pris, la ECW ils ont pris Shawn Michaels, et Raw ils ont pris John Cena. Et bah écoutez, nous... Bon, je pense que c'est pas une surprise pour ceux qui me connaissent très bien, hein. Je pense que c'est pas une surprise. Ah, par contre, j'espère qu'ils vont pas prendre qui je pense. Enfin bref. On va prendre Triple H, on va le prendre pour un an. On a 10... Ah oui, parce qu'on a un salaire de 10 millions pour notre draft, simplement. Bah écoutez, on va dépenser 1 500 000, on va arrondir le tout. 1 500 000 pour Triple H, parce que je sais que ça va être ma superstar principale de ce SmackDown. Ensuite, c'est nous qui avons le choix pour le deuxième choix, tout simplement. Nous allons prendre Orton et on va lui faire... un contrat de 9 mois, parce que ça va être une de nos grandes superstars aussi. Alors, Batista, Undertaker... Attends, Batista et Mysterio du côté de la ECW et Undertaker Edge du côté de Raw. Ok, ok, alors... qui nous allons prendre? Alors... Donc, nous avons plusieurs choix, nous avons Kane, nous avons ouais, des trucs comme ça, enfin... Franchement, pour ceux qui s'en rappellent de la période, de cette période-là, c'était vraiment... c'était une furie, tout simplement. Je vous avoue, j'hésite. J'aimerais bien prendre Jeff Hardy, mais le problème, c'est que j'aimerais bien aussi prendre Bobby Lashley. Alors, ouais. Alors, c'est simple. Moi, j'aimerais bien... Alors, je vous dis mes choix, hein, vite fait. Alors, moi, j'hésite entre CM Punk, Bobby Lashley, Carlito, Jeff Hardy. Alors, en fait, j'hésite entre beaucoup de personnes. En vrai, je... C'est simple, on va prendre celui-là qui a le plus de charisme en vrai. Bah, c'est Bobby Lashley, je crois. Bobby, il dépasse CM Punk. Il dépasse Jeff. Enfin, pas de charisme, mais de popularité, pardon. Ouais, on va prendre Bobby Lashley. On va prendre Bobby Lashley, on va lui prendre pour un contrat de... Ouais, de 6 mois. On va le prendre pour un contrat de 6 mois. Ah, et c'est encore moi qui a le choix. Bah, nickel. En vrai, qui je pourrais... Ouais... On va prendre CM Punk. Je vais prendre CM Punk et on va prendre un contrat de... ouais, je vais niquer ma thune, je vais prendre aussi 6 mois. Alors, ils ont pas pris Jeff, nickel. Donc, Booker T et Umaga du côté de la ECW. Et Ric Flair et Mr. Kennedy du côté de Raw. Bah, nickel. Du coup, on va pouvoir prendre Jeff Hardy. Donc, Jeff Hardy. Ici, on va le prendre pour 3 mois. Et c'est encore nous qui choisissons. Et on va prendre simplement mon petit... Carlito, donc on n'a pas besoin de Women's nous parce que bah, on est du côté de SmackDown et on va prendre Carlito pour 3 mois, voilà. Alors Asia Burke et Sandman du côté de la OCW et Melina et Marcus Corvon du côté de Raw. Ok, ok, alors qui on va prendre? Alors William Regal, j'aime beaucoup William Regal. Après j'aime beaucoup Chavo Guerrero aussi. J'aime beaucoup John Morrison, j'aime beaucoup Kane. Après, il faut savoir, c'est que nous, on a le titre Cruiserweight, donc il faudrait plus aller vers les Cruiserweights. D'ailleurs, je pense que cette vidéo, je vous l'ai pas dit, mais elle sera peut-être en deux parties. Donc voilà. Voilà, voilà. Parce que je prends plus de temps à mettre des vidéos en ligne où j'habite maintenant. Donc voilà, voilà. Alors là, les gars, je vous avoue, je suis perdu. Alors, est-ce que en vrai, Chavo Guerrero... Ouais, on va prendre Chavo Guerrero. Chavo Guerrero, on va le prendre pour 3 mois. Alors, fais voir en termes de salaire. Alors, ECW, il leur reste ouais, 6 millions, on va dire. Raw, 6 millions. Et moi, il me reste 4 400 000. Enfin, 500 000, on va dire. Ok, donc nous, on a pris Chavo. Là, je vous avoue, en vrai, ce qui serait intelligent, c'est de prendre Gregory Hems.
qui est un ancien champion Cruiserweight. Ça serait cool parce que du coup, ça ferait un peu bouger notre division Cruiserweight. Mais le problème, c'est que j'ai. En vrai, ça c'est con, mais tu vois, genre là, j'ai envie de prendre MVP ou Kane. Parce que MVP, Kane, ou Johnny, John Morrison. Après, fais voir. Ah, mais si je prends John Morrison, Kane et MVP vont être pris. Après, je pourrais très bien les échanger en vrai. Ah, les gars, je sais pas. On va partir sur John Morrison. Ah putain, MVP est pris. Ouais, il y a MVP qui est pris. Bon, ça va, Kane n'est pas pris, mais MVP est pris. Du coup, on va prendre Kane. On va prendre Kane pour 3 mois aussi. Et là, on va prendre simplement. Février, il reste qui? Ben, on va prendre Greg Williams. Simplement. On va le prendre pour 3 mois aussi. Alors, Greg Kelly, Mark Henry du côté de la ECW. Et Chris Masters, c'est Finlay du côté de Raw. Ok, nickel. Et du coup, nous, on va prendre William Regal pour 3 mois aussi. Fais voir en termes de salaire. Ouais, ça va, 300 000, ok. Et on va se prendre Kenny Dykstra, machin. Et on va se le prendre pour 5 semaines. Snitsky et Tori Wilson du côté de la ECW. Et Mickie James et Candice Michelle du côté de Raw. Bah écoutez, nous, je pense qu'on n'a pas besoin de. Attends, fais voir, il reste pas de superstar. Non, il reste que des women. On n'en a pas besoin. Donc nous, on va finir cette draft sur ça. Yes. Nickel. Alors, Dirty et Clean. Alors, voilà. Voilà. Alors, Bobby Lashley. Alors, Bobby Lashley, on va le mettre face parce qu'avant, il était face et il était très cool. Carlito, avant, il était heel, il était très cool. Chavo, il était heel, il était très cool. On va laisser. CM Punk, on va le mettre face. Gregory Helms, heel. Ok, c'est nickel. Jeff Hardy, face. John Morrison, on va le mettre face. Parce que voilà, John Mondo. Kane, on va le mettre heel. Kenny Nestra, bon, lui, on le laisse heel. Randy Orton, heel. Triple H, face. William Regal, William Regal, attends, on va faire un truc, c'est simple. Alors, face, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 face. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6, il y a 6 heal. Du coup, on va mettre William Regal face. Voilà. Voilà. Parce qu'en plus, il est gentil, parce qu'il nous propose du bon truc à la NXT, donc en vrai, c'est nickel. Ok, donc 7 champions. Alors, là, on a le choix, bien sûr, de mettre des champions, déjà des champions, et on a le choix de ne pas mettre des champions. Moi, je veux vraiment les titres tag team, je m'en fous un peu. Champion World Heavyweight, je vais faire exactement comme j'avais fait dans mon ancien JM Mode. J'avais mis Randy Orton champion, donc on va mettre Randy Orton champion pour commencer. Champion des États-Unis. Champion des États-Unis, nous allons mettre un petit Johnny Nitro, champion. Et Cruiserweight, nous allons faire un genre de tournoi Cruiserweight, donc nous n'allons pas mettre de champion pour l'instant. D'ailleurs, on peut, ouais, vacant title, ouais, bah, il est déjà là, donc voilà. Et donc, on va mettre ça, et du coup, accepter, yes, et du coup, c'est nickel. C'est nickel! Et du coup, bah voilà, on va attendre un peu. Hello, hello Candice Michelle. Hey Teddy Long! Donc, ça, c'était l'animation qu'il y avait. Bah, tout simplement pour le GM mode. Là, tu vois, Monsieur McMahon, il nous signe le contrat de GM mode. Enfin, de GM, de General Manager, pardon. Bon, bref, on va passer, c'est pas très intéressant. SmackDown vs Raw. D'ailleurs, dites-moi, et ne mentez pas, si vous voyez ce moment de vidéo, ne mentez pas et dites-moi quel a été, vous, votre premier jeu de catch. Donc, ne vous inventez pas une vie en mode ouais, mon premier jeu de catch c'était SmackDown versus Raw 2006, alors que gros, t'as 2 ans et demi, tu vois. Non, non, t'invente pas une vie. Enfin, bref, tu vois, bref, sans branle. JBL, oui, ça, je sais, ouais, il veut. Enfin, si on a besoin d'aide. Enfin, voilà. Alors, maintenant, je vais couper là, mais je vous avoue, en vrai, je voulais voir un truc. Parce que là, en fait, on peut proposer des échanges, simplement. Alors, du côté de Raw, moi je vous avoue, j'aurais bien aimé avoir Edge en fait. Genre, je voulais Edge en fait parce que je voulais faire des trucs justement Edge et tout. Donc, Edge en vrai, on va tenter, écoutez. Alors, contre qui je pourrais l'échanger? En vrai, je vous avoue, je sais que ça va pas marcher. Hein. On va tenter un truc. Ça va pas marcher, je le sais. Mais bon! Qui ne tente rien n'a rien. Ne vous attendez pas à un OMG moment. Non, ça ne va pas marcher. Alors, verdict, est-ce que ça a marché ou non? Même si ça n'a pas marché. Trade declined. Donc voilà, donc ça c'était plutôt cool. On pouvait faire des trades. Là, vous voyez, calendrier. Donc nous, on est SmackDown. Donc Backlash, c'est en Raw. Donc le 28, il est en Raw. Enfin, il est en rouge. Du coup, c'est pour Raw.
simplement. Ah non, non, en fait, non, j'ai rien dit, attends. Ah oui, non, mais c'est juste, oui, non, mais c'est quand même un truc de Raw. Judgment Day, c'est pour SmackDown. Enfin voilà, bref, c'est stylé. Enfin bref. Bref, bah écoutez les gars, je vais vous laisser là. J'espère quand même que cette petite vidéo, pardon, vous aura plu et que je vous aura rappelé des souvenirs. Donc je vais vous faire remontrer notre roster. Donc Bobby Lashley, Carlito, Chavo Guerrero, CM Punk, Gregory Hems, Jeff Hardy, Johnny Nitro, donc John Morrison, Kane, Kenny Distra, machin mes couilles, Randy Orton, Triple H et William Regal. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous dis bye tout le monde, c'est Régine pour jouer et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.